regardez ça, on dirait que votre frère ne s'arrêtait pas au simple trafic d'armes pour vous. Alors c'est quoi? Drogue, prostitution, extorsion? J'ai entendu des rumeurs sur ce projet en Indochine il y a plusieurs années, mais je n'y ai pas cru. Visiblement, j'aurais bien dû y croire. Je suis très impressionné. Voyons, comment c'est marqué exactement déjà? Oui, une version améliorée, amplifiée, évoluée de l'espèce humaine. Mais qui pourrait bien vouloir cloner un imbécile comme mon frangin? Et ça s'est passé où? Au fin fond de la Roumanie. C'est pas précisé, mais je sais comment trouver le lieu exact. Enfin, si ça vous intéresse. Cassette de surveillance. Je pense qu'elle s'explique ce carnage. J'étais sûr qu'on découvrirait un truc dans ce genre, mais j'espérais bien. Excellent. Ce type est excellent. Peut-être pas aussi fort que moi, mais rapide en tout cas. Vous savez qui c'est? Oh oui, et vous aussi d'ailleurs. C'est mon ami et monsieur 47. Vous voulez rire? 47, c'est une rumeur. Rien de plus. Personne n'a jamais prouvé son existence. Vous savez, je l'ai déjà rencontré une fois à Rotterdam. Je ne savais pas que c'était lui à l'époque, mais j'ai fait des recherches. Donc vous saviez déjà ce qu'il s'était passé ici? Oui. Mais il est dispo? Il l'était, mais je n'ai entendu parler d'aucun rapport sur ses activités depuis un bon moment. Donc en fait, il pourrait tout aussi bien être mort. Mort? Mais vous êtes fou ou quoi? Ces vidéos sont la preuve irréfutable qu'il est bel et bien vivant. Il ne vous reste plus qu'à mettre la main dessus. Eh bien, mettons-nous à sa recherche dans ce cas. Un tueur pareil ne peut pas prendre sa retraite. Bonjour mon fils, comment allez-vous? Je vais bien, mon père, mais je dois vous parler. Du calme, mon fils. Nous avons un proverbe en Sicile. Je ne sais rien, je n'ai rien vu, je n'étais pas là. Ou si j'y étais, je devais être endormi. Si vous souhaitez vous confier à moi, l'endroit le plus sûr est le confessionnal de l'église. Rendez-vous à midi.
Mon père, j'ai péché. Continuez, mon fils. J'ai fait des choses terribles dans ma vie. J'ai tué beaucoup de gens. Pour l'argent. Consciemment. Froidement. Sans haine. Mais filio, je vous connais. Vous êtes quelqu'un de bien. Je vous ai vu prendre soin du jardin. Je sais combien d'argent vous avez donné pour notre église. Votre âme est sur la bonne voie. Mais, mon père, je ne suis pas à ma place ici. Pourquoi Dieu me pardonnerait-il? Rassurez-vous, mon fils. Lorsque votre heure viendra, il ne vous oubliera pas. Gardez une place pour Dieu dans votre cœur. Je dois partir à présent. Restez priés. Cela vous fera du bien. Seigneur, aide-moi à trouver la voie de la rédemption. Indique-moi le chemin et je le suivrai. Accorde la paix à mon cœur et protège-moi de mes démons. Bienvenue dans la maison de Dieu. Malheureusement, l'église est fermée, mais revenez demain. Curé, approche un peu. Ah, au secours! Non, à l'aide! À l'aide! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Au secours! À l'aide! À l'aide! Quelqu'un, lâchez-moi! Venez m'aider! Ferme-la! Bienvenue en Sicile. Nous espérons que vous avez apprécié la célèbre hospitalité italienne sur notre magnifique île. Quoi qu'il en soit, votre séjour ici n'est bien entendu pas gratuit. Vous allez préparer un transfert de $500,000 cash pour après-demain à minuit. Entre-temps, nous tiendrons compagnie à votre hôte, le père Vittorio. Il adore la pêche. Nous nous assurerons qu'il aille bien jusqu'au paiement de la rançon. Nous vous recontacterons, Giuseppe Giuliano. 500 000 $? Je n'ai pas les moyens de payer ça. Allons dans la cabane du jardin. Le passé doit revenir à la surface. Agence, ici 47. Passez-moi Diana. Veuillez confirmer votre identité, je vous prie. Mon numéro est BRO 3886. Passez-moi Diana, elle reconnaîtra ma voix. 47, ici Diana. Je suis heureuse de vous entendre à nouveau. Tout le monde vous croyait mort. Vous serez content d'apprendre que vos compétences sont très recherchées en ce moment. Vous êtes une véritable légende pour nos clients. Désolé Diana, mais je ne cherche pas de travail. J'ai besoin d'informations sur un Sicilien de Palerme. Giuseppe Giuliano, avez-vous quelque chose d'intéressant à son sujet? Attendez, Giuseppe... Ah oui, voilà son dossier. Giuseppe Giuliano, alias Anguillo Giuliano. À la tête de l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations mafieuses siciliennes. J'ai besoin d'une surveillance satellite accrue sur sa résidence et d'informations sur les dispositifs de sécurité et les voies d'accès. Essayez surtout de localiser un prêtre. C'est un de mes amis. Il a été enlevé. Un ami?
Ça ne vous ressemble pas, 47. Quoi qu'il en soit, ces informations ne seront pas gratuites. Que proposez-vous en échange ? J'ai entendu dire que vous étiez plutôt riche. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai entendu cette rumeur. C'est tout à fait faux, d'ailleurs. Mais je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Je vais voir ce que je peux trouver. En fait, j'ai bien envie de vous proposer un nouveau contrat. Pour une mission de routine, bien entendu. Une mission ? Exactement. Si vous acceptez, je pourrai peut-être vous obtenir des informations très rapidement. Qu'en dites-vous, 47 ? Toujours partant ?